Salut tout le monde. Alors, j'ai récemment trouvé un livre qui m'a l'air très intéressant. Un livre que j'ai trouvé d'occasion. Tiens. Histoire des couleurs de Manlio Buzantin. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire enfin une vidéo sur la couleur. Alors, je vais faire cette vidéo avec de l'aquarelle. Mais elle pourrait aussi très bien, en grande partie, s'appliquer aussi à l'acrylique, à la peinture à l'huile et autres. Voilà. Alors juste pour parler bouquin, j'avais acheté une bonne dizaine d'années, le livre de Goethe, La théorie des couleurs ou le traité des couleurs. Et ça m'avait fortement intéressé, ça m'avait intrigué. Et j'ai commencé à le lire. J'ai pas réussi à le finir. Et peut-être trop scientifique. Est-ce que c'est un livre vraiment pour les peintres? Est-ce que c'est pour les peintres, certes, mais est-ce que c'est vraiment un livre pour les artistes? Est-ce que... Je ne dis pas que ce dernier en a fait trop, mais c'était une période de découverte, le 18e, début du 18e. Période de grande découverte, donc, et la couleur a fait partie de ce champ. Et voilà, j'ai pas réussi à terminer, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces connaissances, alors que je pratiquais déjà depuis pas mal de temps. Et voilà, alors on peut trouver dans le commerce, dans les boutiques spécialisées en beaux-arts, des cercles chromatiques. Vous savez, avec les couleurs complémentaires, le mélange des couleurs. Alors, personnellement, ça m'a toujours découragé. Je ne m'en suis jamais servi. Et je vais vous montrer une autre technique pour mélanger et pour vous servir des couleurs, pour faire quelque chose de bien. Blablabla. Voilà, on va se mettre à la pratique tout de suite. Alors, voilà. Ici, on ne va pas parler de cercle chromatique, de couleurs complémentaires. On va aborder la chose sous un autre angle, aussi valable. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer quelques mélanges, et après je vous expliquerai où je voulais en venir. Voilà, on a ici toute une gamme de verres, n'est-ce pas? Ok, du coup... au côté de la plaque, veuillez me pardonner. Voilà, encore toute une gamme de vert brun, des couleurs de terre avec ici quelques gris, une variété de gris chaud, froid, quelques mélanges de orange, rouge, jaune, des couleurs de terre quand même essentiellement. C'est une variété de bleu. Une variété de mauve, de violet, un petit peu de bleu. On se rapproche ici d'une couleur de terre. Encore des couleurs de terre. Voilà, encore d'autres mélanges très simples. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon travail, ma palette, voilà. Voilà les couleurs qui m'ont servi pour tous ces mélanges. Ça fait pas mal quand même, hein. Je ne les ai pas comptés, et encore j'aurais pu. Et encore je ne me suis pas servi de cette couleur-ci. Mais celle-ci. De celle-ci et du blanc donc. Là, c'est deux fois la même couleur. C'est du bleu d'outre-mer foncé. Donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est ici 10. Voilà. Alors, moi j'ai rien contre les. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Les palettes, les boîtes d'aquarelle qu'on vend dans le commerce avec. Je sais pas, j'ai pas de catalogue sous la tête, mais il me semble qu'il y a des palettes où il y a 30, trentaine de couleurs différentes. Alors, ça peut avoir son utilité pour les illustrateurs, pour l'enluminure, des choses comme ça.
Alors, si vous voulez dessiner des paysages, nature morte ou autre, franchement, je pense que c'est plutôt, je vais pas dire de l'argent jeté par la fenêtre, mais voilà. Donc, pour résumer, là où je veux en venir, ayez peu de couleurs, mais ce peu de couleurs, sachez les maîtriser, sachez faire des mélanges, connaissez votre palette à fond, comme votre poche, si je veux dire, et vous ferez aussi des économies et voilà, bon, vous connaîtrez vos. Et si vous connaissez déjà mon travail, si vous êtes allé sur mon site, je n'en profite pas pour faire la pub pour mon travail. Regardez mes aquarelles. Et sans mentir, je peux vous assurer qu'elles ont été faites avec un minimum de couleurs, avec les couleurs que vous avez là sous les yeux. Ok? Donc, si je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Alors, juste rapidement. Donc, si vous connaissez aussi mes autres vidéos sur le dessin, je parle souvent du trait et de l'énergie, de la vie qui peut se dégager du trait, de la spontanéité du trait, de la trace. C'est pareil pour la peinture. Peindre, c'est pas seulement faire du coloriage, remplir des cases. Ok, c'est aussi un geste. Donc je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je ne vais pas revenir ni insister là-dessus. Mais voilà, je crois que c'est important. Et ayez conscience de ça, en fait, que si vous vous contentez de remplir des cases, si on veut, remplir votre dessin, vous êtes largement en dessous des possibilités, de vos possibilités, des possibilités du pinceau, du papier et de la couleur. Voilà. Encore très important, tout ce qui est dans cette vidéo est très important, n'est-ce pas? Alors, je vois souvent dans mes cours, quand je fais une démo, des yeux rivés sur ma palette. Et là, on m'interrompt, qu'est-ce que tu as pris comme couleur? Tu peux juste répéter? Et alors, les gens prennent des notes. Non, non, non. Doucement. Déjà, chacun doit avoir ses couleurs. Je ne vous dirai pas. Je ne vous donnerai pas le nom de toutes mes couleurs. Si je peux le faire, c'est pas. Je ne vais pas dire un hasard, ce sera plus une commodité. Mais je ne vous rendrai pas service en vous donnant. Si vous avez la même palette que moi, ça n'a pas de sens. C'est à vous de trouver vos couleurs. Okay? Je peux conseiller, mais je ne peux pas vous donner les noms. Alors, là, je voulais en venir. C'est qu'on me demande ah, qu'est-ce que tu as fait comme mélange, qu'est-ce que tu as pris comme couleur à ce moment. Il y a les. Et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. Quand je dis ça, il y a les obsédés de la couleur parfaite. On va aborder la chose sous un autre angle, beaucoup plus facile, beaucoup moins qui nécessitera moins de tension dans le travail. Plutôt que de rechercher la couleur parfaite, on va parler plutôt de température des couleurs. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, température des couleurs. On a ici toute une gamme de couleurs chaudes. Et ici, une gamme de couleurs froides. Ok? Alors vous me direz, bah ouais, mais ça on sait déjà, c'est bon. Dis-nous comment faire les mélanges et on n'en parle plus. Non, non, non. Non, je trouve que c'est important de pouvoir bien identifier des couleurs chaudes et froides. Alors, bon, je reviens juste à ma palette. Alors, je commence toutes mes vidéos en disant, je vais essayer de faire court. Et bien aujourd'hui, je ne veux pas essayer de faire court. Je vais dire tout ce que j'ai à dire. Si la vidéo vous paraît trop longue, vous la regardez en plusieurs fois ou vous ne la regardez pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un petit peu, en 2020, nous sommes, changer un petit peu notre rapport au temps et se dire, eh ben là j'ai le temps de regarder une vidéo qui parle de la couleur. Je ne vais pas la regarder 10 fois, je vais la regarder une fois et je vais apprendre plein de choses. Voilà, alors moi j'ai séparé ma palette
Ici, à partir de là, on a les couleurs chaudes, du rouge, terre du ciel et autres. Ok, cela je m'en sers rarement, donc je ne parlerai pas. Et là, des couleurs froides. Donc on a ici le noir, de l'indigo, et puis là, trois sortes de bleu. Ok, je mets celle-ci à part pour pas la souiller quand je fais les mélanges. Bref, on a encore une couleur chaude en fait, hein. Couleur chaude à droite, couleur froide à gauche. Voilà, ça c'est important. Maintenant, je vais vous montrer quand même quelques mélanges. Alors, une vidéo sur la couleur, une vidéo parfaite n'existe pas. Alors, je vais faire ce que je peux. Donc voilà, on a ici du jaune pur et du rouge pur et là, un mélange des deux. Ok? On a mélangé les deux. Orange, qui est toujours une couleur chaude. Ok? Maintenant, je peux réchauffer, pardon, refroidir ces couleurs. Alors, refroidir, je vais, zut alors, rajouter du bleu. Alors, ma palette est juste un petit peu sèche. Voilà, boum. Ok. Donc si je rajoute ce bleu au rouge, ce qui va nous donner une variété de violet, mauve. Ok. Donc j'ai en mélangeant ce bleu au rouge, j'ai réchauffé, j'ai repeint, voilà, j'ai refroidi le rouge. Ok. Je peux faire pareil, la même chose avec l'orange, ce qui va nous donner. C'est un petit peu pâle. Donc je l'ai un petit peu refroidi, ce qui nous donne une couleur de terre, pas très marquée, assez neutre. Voilà. Je pourrais dire aussi, en mélangeant le rouge au bleu, que je l'ai réchauffé. Voilà, on peut aussi faire ça comme ça. Donc, quand vous faites vos mélanges, quand vous voulez, vous voyez une couleur que vous voulez reproduire, je cherche les mots, demandez-vous à quel point cette couleur est chaude. Ben, voilà un truc tout bête. On a ici la couleur de la planche. À quel point cette couleur est chaude, à quel point elle est froide. Ok? Si je compare cette couleur-ci à la table a une couleur plus chaude. Ok? L'orange est, bon, elle est peut-être un petit peu moins saturée. On va dire, elle est un petit peu dans la même gamme, mais elle est peut-être un petit peu plus chaude que la table. Ok? Voilà. Je fais une petite parenthèse. Alors, je prends toujours des notes. Je prépare toujours mes vidéos du mieux que je peux. Mais des fois, on est obligé de faire des parenthèses. Alors, oui, je voulais juste vous parler des saturations. Alors, ici, on a du rouge très saturé. Et ici, un rouge moins saturé. Ok? Ça, c'est aussi important de prendre conscience. On n'a pas forcément de mélanger du blanc à de l'aquarelle pour l'éclaircir. Il suffit juste de mettre plus d'eau. Okay? Plus d'eau. Plus d'eau, moins de pigments. Moins d'eau, plus de pigments. Voilà. Oui. Alors, pour moi, c'est un petit peu enfantin de montrer ça. J'ai presque honte de le faire. Donc, si vous voulez faire du vert, vous mélangez ces deux couleurs, du jaune et du bleu. Ok. Du vert. Maintenant, pour les couleurs de terre, c'est pas pareil. Il existe toute une gamme de couleurs de terre. Moi, j'en ai assez peu. J'en ai deux. Ok. Ces deux-là, ici. Mais là, je vais vous faire une couleur de terre avec du rouge,
Je vais mélanger sur le support, ce sera plus intéressant. Du jaune. Du bleu. On va rajouter un petit peu de rouge. On va réchauffer. Voilà, on a déjà une couleur de terre. On va rajouter encore un peu de bleu. Du rouge. Une couleur de terre un petit peu plus foncée. Hein, assez proche finalement de la table. De la planche. Voilà. Température des couleurs. Essayez de décomposer les couleurs en fait. C'est ça, je répète un petit peu ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Essayez de décomposer. À quel point, ici sur cette planche, à quel point il y a du rouge, à quel point il y a du bleu, à quel point il y a du jaune. Ok? Vers où penche cette couleur en fait? Il y a un peintre belge du début du siècle, Théo van Rijsselberg, qui disait tout le monde peut apprendre à dessiner, mais l'apprentissage des couleurs, c'est inné en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'avec la pratique, on peut maîtriser. Ouais. Mais seulement, il faut se donner la peine de mettre de côté les palettes avec une trentaine de couleurs. Voilà, il faut se forcer à utiliser juste un jaune, un bleu, un rouge. Ok? Avec ça, on peut faire. Ben voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est assez parlant quand même. Et encore, j'aurais pu en faire, faire davantage. Et je le jure, sur la tête de mon fils, je dis, il n'y a pas deux mélanges identiques. La couleur locale, voilà, c'est un terme qu'on entend aussi de temps en temps. La couleur locale, c'est la couleur propre à un objet, indépendamment de la lumière ambiante et de la couleur ambiante. Ok? Si vous prenez maintenant, ici j'ai un bon spray avec de l'eau. La couleur locale, c'est ici vert jaune. Ok? Si je mets maintenant une lumière, une ampoule rouge, bien sûr ça va changer la donne. Ok? La couleur locale va disparaître. Ok? Voilà, si vous avez des questions aussi au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas. Alors je voulais terminer avec les contrastes. Ok? Les contrastes. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? On n'a pas préparé à l'avance, n'est-ce pas? Alors. Si vous avez maintenant une couleur chaude, isolée, elle aura une certaine force, mais elle va dégager une certaine énergie, mais on peut intensifier la température de la couleur, on peut la réchauffer encore en mettant côte à côte, en juxtaposant, ouais. Je ne sais pas si c'est le bon terme, une couleur froide. Ah, ça coule, ça n'aurait pas dû couler. Du coup, le rouge paraît plus rouge, plus lumineux. Ok? Inversement, si vous avez une couleur froide, la même, le même bleu. Hop. La couleur froide va paraître plus froide. Ça n'aurait pas dû couler, au secours. C'est ça qu'on travaille sur un support incliné. Voilà, la couleur va paraître plus froide encore. Ok? Donc pensez bien à ça. Aux juxtapositions de couleurs. Naturellement avec du vert, ça
va pas être pareil. Le rouge va être moins puissant qu'avec du bleu, mais quand même. Puisque le vert est une couleur froide, le rouge va ressortir davantage. Ok? Alors, là, je parlerai maintenant plutôt de peinture et de composition. Donc, comme vous le voyez là, et je vous invite à vraiment à le faire dans votre atelier, chez vous, à faire tous ces essais, tous ces mélanges. Oui, faites comme moi aussi. Amusez-vous, vous achetez, ça c'est du papier, je ne citerai pas la marque, c'est du premier prix, vous ne vous gênez pas, vous remplissez des feuilles comme ça avec des mélanges, et vous vous amusez à faire ensuite. Faites par exemple là, 6 couleurs différentes, et le lendemain, vous allez essayer de les reproduire, de faire exactement les mêmes couleurs que vous avez faites la veille. Ok, c'est un bon exercice aussi. Alors, ce que je voulais dire, oui, a plutôt trait à la composition. Alors, désolé pour la coupure, c'était pas prévu. Alors, on a sous les yeux un livre que j'aime beaucoup, Giverny impressionniste, une colonie d'artistes, 1885-1915. Voilà, c'est un livre qui reproduit des peintures, des huiles essentiellement, de peintres américains qui ont séjourné au début du siècle, du vivant de Monet, qui était presque devenu un lieu de culte, qui avait séjourné, ces peintres américains, à Giverny, ou dans les environs. Voilà. Alors, ce dont je voulais m'entretenir avec vous, on va dire, c'est quand vous composez, quand vous choisissez une composition, peu importe, un paysage, un intérieur ou autre, ayez conscience aussi pas seulement de la gamme des couleurs, mais de la température des couleurs, de la moyenne de cette température en fait. Est-ce que le froid domine ou est-ce que le chaud domine? Ok? Donc ayez conscience que vous pouvez donner beaucoup d'effets en jouant là-dessus en fait, en accentuant les couleurs chaudes éventuellement ou les froides. Okay. Donc si, par exemple, ici on a une composition de John Howe Ireland Downs. Oh yeah! Voilà. Donc, on a ici une composition où domine les couleurs froides. Voilà, peut-être la qualité était au rendez-vous. Et ça, c'est moi des couleurs froides. Une dominance de mauve, ici de bleu, un petit peu de vert, ok, des couleurs froides, et là des couleurs chaudes, pas trop chaudes non plus, parce que c'est du jaune cassé, ici on est proche de l'ocre, une pointe de jaune aussi, voilà, et donc ce qui fait que la dominance de couleurs froides fait ressortir le jaune, ici et là, ok. J'avais un autre exemple à vous montrer. Voilà, c'est un livre que je vous recommande, hein, soit dit en passant. Ici aussi, par exemple, on a ici l'étude du tableau fini à droite. Donc une dominance de couleur froide, vert, et en dose moindre du jaune, avec le toit ici orange, ok? Orange brun, on va dire, orange cassé. Il y avait une autre toile, voilà, elle est ici. Alors, ici, c'est une toile de Guy Rose, ou Guy Rose. Un peintre américain toujours, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est un exemple magnifique de jeu de température. Donc on a ici, au centre de la composition, essentiellement du jaune, dans la partie supérieure aussi, mais caché par un pont aux couleurs froides, okay, qui fait office de, non seulement le pont fait office de cadre, mais la couleur du pont aussi. Cadre la couleur jaune. Ok. Alors ce n'est pas probant sur toutes les œuvres, hein. On n'est pas obligé de jouer là-dessus, de faire des contrastes de couleurs, de température, comme ici à droite. Là c'est un petit peu plus doux, hein. On a deux couleurs chaudes ici, chaudes là, là,
un petit peu autour des arbres, sur les arbres de l'avant-plan. Voilà, là aussi, la composition ici qui est barrée. Alors c'est la fille, non, c'est la. J'en profite juste, petite notion de culture. Claude Monet avait une belle-fille qui peignait aussi, peignait très bien. On pourrait même croire que c'est son beau-père d'ailleurs, ici à droite. Donc il s'agit de Blanche Ochedé Monet, 1926. Donc la composition est ici barrée par la maison de la famille Monet, aux couleurs chaudes, et tout le reste, couleurs froides. Ok? Et si ce toit était maintenant plutôt bleu, ou carrément recouvert de lierre, ou j'en sais rien, une couleur froide, bah, ça serait assez terne en fait. Ok? Donc c'est ça l'effet un petit peu du. L'effet des températures. Voilà. Bel exemple aussi. Voilà, je vais conclure. Restez encore avec moi. S'il vous plaît. Donc, dominance de couleur chaude. Ok. Et un petit peu moins de couleur froide. Voilà, on a encore d'autres exemples ici. Ok. Donc, je l'ai déjà dit dans un autre tutoriel, les ombres font partie de la composition, tous les éléments font partie de la composition, mais les couleurs aussi. Ok? Donc maintenant que vous avez vu cette vidéo, formidable vidéo, n'est-ce pas? Vous aurez maintenant conscience, quand vous choisirez un sujet, de toutes ces questions dont nous avons traité à l'instant. Ok, ben voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. S'il y a un problème, une chose qui n'a pas été comprise. Voilà, c'est tout, je radote un petit peu comme toujours. Voilà, bonne pratique, à bientôt. Salut!